Salut mes petits loups et bienvenue dans ce tout nouvel œil dans le rétro. Donc vous avez pu voir, il y a une petite intro, c'est parce qu'en fait je vais proposer cette vidéo à la chaîne YouTube Multigaming. Donc voilà, et vous avez un petit lien directement dans l'intro, je vais vous en remettre un là tout de suite en bas. Ouais, là. Et là aussi. J'espère en tout cas que vous aurez l'occasion de recroiser cette vidéo sur cette chaîne. Et bah, je remercie YouTube Multigaming si vous faites passer ma vidéo sur votre chaîne. Quoi qu'il en soit, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui, une vidéo sur Robocop, un jeu de Data East. Hop, évitez de vous montrer l'intro, vous verrez rien comme ça. Oh, donc de 88, qui est un jeu d'arcade que je crois qu'on l'a eu sur Atari avec mon frangin, et qui est de souvenir super dur parce que Robocop, eh ben, Robocop il fait caca, voilà, il commence bien. C'est tellement marrant. Voilà, Robocop, il est un petit peu comme dans les premiers films, un gros balai dans le derrière. Il se prend, voilà, il casse des motos à main nue, c'est logique. Il met des pains, il peut sauter et l'esquive du coup de flingue et le bruitage horrible du mec qui sort son flingue. Et c'est complètement con. Enfin, parce qu'on se retrouve avec au début on a coup de poing et après on a plus coup de poing. Voilà, on continue à parler comme ça, après plus coup de poing et c'est galère. Sachant que on se fait quand même méga agressé par tout le monde. Ce serait bien que... Ah oui, mais je crois que je peux que les péter à coup de poing les... Voilà, donc là c'était le piège de merde. C'est-à-dire que finalement, je crois qu'on m'a bien enlevé mon cerveau quand on m'a transformé en robot. Là, c'est quand même un... Quoi? C'est un crédit que j'ai... Ouais, vas-y, fais voir où je reprends là. Ok, peut-être me mettre un troisième crédit alors. Et là, on est quand même Data East. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait plusieurs jeux de chez eux. On est carrément dans un exercice qui est vraiment. Oula, mais c'est ED209. Si j'avais un escalier, je te foutrais dedans et je te buterais. C'est quand même un type de jeu, je trouve, qui est pas du tout son genre dans Data East. Et que bah, ça se ressent parce qu'on est vraiment pas. J'ai eu l'impression d'entendre des bruits de raptors là quand ils sont vers le coin. Corporation. Je suis un robot, je fais la robot dance. C'est complètement con. Tu pensais que t'allais faire du smurf peut-être. Oula, ça commence direct. Tiens, je veux repartir, aidez-moi. Voilà, mais regardez-moi ce saut. Je suis un Robocop. Enfin, Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les films, Robocop, il est quand même... il sauve tout le monde. Hein. C'est quoi ça? Il avait une tronçonneuse? J'ai pas bien vu. J'ai aucun souvenir de ce jeu réel de quand j'étais gamin. Oh putain, ouais, c'est ça, il a une tronçonneuse. Mais ils sont complètement fous, arrêtez de nous taper. Préparez votre sac à vomi, les mecs, je vais vous tabasser. Oh, vas-y, tombe encore plus lentement, tu n'es pas du tout fait d'acier. Je sais pas ce qu'il... Je me mets un autre crédit. Alors... Ah, je suis quand même allé plus loin que... personne, je crois. Ah, je reprends, je te la coupe. Tout. Allez, crève. You are under arrest. Bah, elle est partie où? Il y avait un mur. Logique, déjà vidéo d'antan. Crève. Allez, je me reconcentre un peu. On va essayer de finir le jeu maintenant. Ah putain. Mais je sais pas ce qu'il dit exactement. Rabak. Alors ça, c'est vraiment le genre d'attaque à la con, je trouve, dans les jeux. C'est toujours des angles pourris. Ah, ça, je me souviens de ce boss, par contre, là. Y'a rien à dire. Je crois qu'on peut lui mettre des... You are under arrest. Yeah, come on, come get some. You are under arrest. C'est quoi, c'est le débarquement de la fistinière dès qu'ils sortent BIM. Thank you for your cooperation. Ok. Thank you for your cooperation. Mayday. Ok. C'est quoi ça? Ah, ça sent le stage bonus. J'espère. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, je veux pas mourir, hein. Je veux pas mourir sur un stage bonus, les mecs. Vous êtes fous. Bim! Boum! Oh yeah! Oh, wow! Ouais! Crac! Je
sais pas si j'ai munitions infinies, j'appuie comme un gros sac. 26 hits, 27, ok, donc ça descend pas, donc le but c'est pas d'en toucher un certain nombre. Hop, grattage de nez furtif, on a rien vu. Je me gratte le nez. Ok Robocop, c'est génial ce que tu racontes. Time over. Ok. Ça sert à quoi? Est-ce que je gagne de la vie en bas? Non. Donc là on va vraiment dans les jeux... Ah si. Mais je regagne tout ou c'est en fonction des points? Parce que j'ai horreur des jeux d'arcade. Alors c'est très bien pour scorer, mais les gens qui font des scores dessus sont quand même vachement plus en train de jouer sur émulateur que de mettre des sous. Et donc j'ai horreur des jeux d'arcade où on gagne plein de points qui finalement te filent pas de crédit, pas de vie et pas de bras non plus. Donc y a pas de chocolat. Non, finalement non, y a rien quoi. C'est là. Oh, mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est une knacky qui vient de tomber. C'est juste pas possible. Allez. Garbage. Mais qu'est-ce que... Vous avez des fusils de sniper, mais vous êtes complètement barjot. Je crois que... C'est quoi ça? Si on avait ces snipers dans Call of Duty, je dis pas, ça veut pas dire que j'y joue, mais si on avait ce genre de sniper dans les FPS de nos jours, je crois qu'on pourrait faire des headshots en tirant dans les pieds. Thank you, motherfucker. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis une arme sur le chemin qui est moins bonne que mon sniper? Et genre, on m'a pas trop laissé le temps de la regarder. Effectivement, c'est le nouveau modèle. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. You are under arrest. Ok, you motherfucking bitch. Oula. You are under arrest. Ça lance des grenades de partout! Fire in the hole, quoi. L'animation. Bon, eh ben. Alors, le deuxième s'appelle Murphy. Est-ce que ce serait Robocop qui aurait réellement joué à son propre jeu? Ah, je n'arrive pas à jouer. You are under arrest. Cette blague est drôle. En tout cas, si vous aussi vous avez aimé Robocop quand vous étiez petit et que vous l'avez vu se faire violer au cinéma assez récemment, je dis ça, je l'ai pas vu. Hein. Pourquoi? En tout cas, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis, donc, si je passe sur YouTube Multigaming, ça leur fera plaisir aussi. Et dans tous les cas, on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Ciao mes loulous.